your hobbies and charity. And I love watching pro speedrun these classic games. Thank you, Step. Hello. Hello. Oui. On me parle. Nous sommes de retour. Formidable. Formidable. Bon, un petit rappel. Donc, vous regardez le stream francophone de l'Awesome Games Don't Quick 2015, marathon de speedrun. C'est terminer le jeu le plus vite. Ken Money a trouvé un nouveau terme pour le speedrun. C'est la cavalcade effrénée. Qu'en penses-tu? C'est très joli. C'est voilà. Très joli. Donc, un marathon de cavalcade effrénée pendant une semaine. Avec des en dehors du jeu incroyables. Beaucoup d'en dehors du jeu, il est vrai. Donc une semaine, 150 jeux, des centaines de personnes sur place. Tous les bénéfices, que ce soit les pubs du stream officiel de ce stream, du subscribe sur le stream US, les dons bien entendu, un pourcentage des t-shirts vendus sur The Yeti. Ce que vous reversez, ce que vous choisissez de reverser sur Humble Bundle également avec le magnifique bundle de la GDQ où il y a pas mal de jeux comme d'habitude sur les Humble Bundle, mais également possibilité de mettre plus pour avoir du merch, des t-shirts de The Yeti et un mois gratuit de Twitch Turbo entre autres. Quand vous participez, quand vous donnez, évidemment vous pouvez influencer les runs. Et ou bien essayer de renommer des personnages ou des sauvegardes à votre choix. Vous avez les défis français sur la gauche du restream. Et vous rentrez également dans des tombolas pour gagner des lots formidables. Alors qu'on voit, comment s'appelle-t-il? Ah mon dieu, MTI qui s'installe derrière avec sa traditionnelle cape. Ah oui, le voilà, je vois qui arrive. Ça s'installe. On voit Yoshi Fan d'ailleurs aussi au second plan. Cet homme asiatique à lunettes avec la chemise rayée là au troisième plan du coup. Qui également nous avait fait, avant le run mythique de CGN, l'année d'avant nous avait fait la run de F-Zero GX, si je ne m'abuse. C'est vrai. Et donc une race à venir, là Negleria reste en place, un Negleria, comment dire, le troll ultime des marathons qui à chaque fois se fait bannir de l'event au bout d'un moment parce que Mike Uyama ou Rome Scout pète une pile en lui disant mais arrête de troller, arrête d'insulter, arrête de mal parler à la caméra. et qui est spécialiste des Sonic Old School et des F-Zero également, il joue beaucoup. Donc là, en fait, il y a deux salles maintenant. Il y a une salle pour les runners avec peu de place et une autre salle pour les spectateurs, c'est ça? Alors, c'était déjà le cas à la SGDQ, mais oui, là, en gros, on voit le petit coin lounge cosy avec le canapé. Ils ont un très beau canapé. Je suis alors, un peu Cosmo jaloux. Alors, on a Cosmo en option select qui passe. Ah non, c'est absolument pas Cosmo. Ah, il a le même t-shirt que moi. Ah, il représente. Ah, c'est pour formidable. Ça. Bah non, c'est un des joueurs, donc c'est le retour de Yazoo. Et donc oui, on a ce petit espace lounge et donc oui, sur la gauche, votre gauche, vous avez un énorme vidéoprojecteur avec 360 sièges disposés devant. Et puis, presque aussi bien que le Stunfest. Voilà, une énorme practice room. Alors qu'on entend à côté, la musique d'F-Zero, là ça y est, ça vient de se lancer. Une énorme practice room à côté avec 50 écrans cathodiques, des consoles, on peut brancher sa console à l'infini. Et également des salles pour s'alimenter. Tout ceci se déroule en Virginie, dans un Hilton, s'il vous plaît. Évidemment, le marathon devenant aussi énorme, ils peuvent négocier des hôtels craqués et avoir des prix Moi, sur les chambres. Moi, j'attends, j'y vais quand c'est à Las Vegas. Hein. Bien entendu, mais c'est normal. Hein. D'un côté, voilà, il y a 1000 personnes, on va dire, minimum, qui en affluence sur tout l'intégralité du marathon. Donc, il faut un espace. Il y a combien de runners énorme. Cette année? Plus d'une centaine encore? Combien de runners? On a 150 jeux, des runners qui se répètent, mais pas mal de races. Je crois qu'on est ouais, aussi voilà, vers les 150 runners. C'est incroyable. Hein. C'est vraiment phénoménal ce qu'ils arrivent à organiser. Toujours des gros moyens. Bon, ensuite, voilà, il y a pas mal. Il y a du sponsoring qui vient se greffer, mais ça reste enfin plus ou moins les sponsors historiques. Twitch pour la retransmission et du matos de retransmission. Ils ont Humble Bundle qui s'est greffé depuis l'année dernière. Oui. Et ce qui est plutôt cool, The Yeti est là aussi historiquement. Bon, ça fait longtemps, The Yeti, qu'ils sont là. Le site, alors je vous le dis, hein, parce que j'ai pu expérimenter quelques problèmes avec le site. L'affluence doit être phénoménale. Je pense qu'ils n'avaient pas prévu ça. Donc, s'il est down, essayez d'y aller à des horaires où les Américains dorment. Alors depuis aujourd'hui, normalement, ça fonctionne mieux parce qu'ils ont, voilà, ça, ils ont investi, là, ils ont pris un serveur Over 9000 qui logiquement est prêt à tanker toutes les connexions simultanées. Ça devrait mieux marcher pour The Yeti.
Oui, alors oui, c'est bien relié à la SGDQ, hein, qui est la Summer Games Done Quick, mais Oui. c'est pas l'équivalent de la SGDQ l'hiver, la GDQ, c'est plutôt C'est le main l'SGDQ qui event, est ouais, là, l'équivalent de la GDQ l'été, Voilà, en fait, soyons clairs. la Summer Games Done Quick qui a lieu l'été et qui est plus sur le Midwest. Donc la dernière était à Denver pour justement que aussi les runners de la côte ouest puissent venir plus facilement. Et qui, au lieu de se concentrer sur la prévention et la lutte contre le cancer, lui s'est concentré dans un premier temps pour l'assistance aux personnes atteintes d'autisme et ensuite, depuis deux éditions maintenant, à Médecins sans frontières. Donc voilà. Alors, ça a l'air de pas tarder. Ouais. Non, c'est juste un test de la part On de se Yetzo. prépare, ouais, ça Euh, tourne. alors. Donc les petits détails, on va donc jouer en master, le niveau Oui. maximal de difficulté du jeu, et je peux vous assurer que ça ne va pas déconner. On va prendre forcément le magnifique vaisseau rose, hein, tout simplement parce que c'est le vaisseau qui a le moins d'accélération, mais qui a le plus de Fire vitesse maximale. Stingray, oui. Et Le Samurai Goro, le vaisseau de Samurai Goro, qui est le seul vaisseau qui existe dans le jeu, pour être clairement, honnête. il n'y a personne ne jouera autre chose, je peux vous l'assurer. Si vous jouez au jeu vous-même, hein, bien, faudra accepter de jouer avec le vaisseau rose, c'est comme ça. Et Il il est semble qu'en toujours très Time bien sur la Attack, ZeroX. Dr. Stuart, enfin, il y a des circuits en Time Attack où ça peut avoir un sens de prendre un autre, Ouais, mais c'est tellement mais anecdotique. Là, pas en en tout Grand cas, Prix, vous ouais. inquiétez pas, il n'y a pas de questions à se poser. Le Fire Stingray, c'est vrai que c'est reste un vaisseau que j'aimais beaucoup de toute façon et que je continue de jouer par affection depuis F-Zero. Même si c'est pas forcément le meilleur, maintenant je continue de le jouer par esprit. Tu sais, c'est comme quand tu joues un perso dans les streets et que tu restes dessus parce que c'est celui que tu aimes. Exactement. Alors la GDQ en général existe depuis quand? L'Awesome Games Done Quick, c'est arrivé en 2011. Précédemment, il y a eu deux petits marathons, dont le classique Games Done Quick, hein, le premier marathon, alors que ça commence. Le premier marathon de la SDA qui, à l'époque, avait Alors, récolté $5 000 pour Child's Play avec, et les alors deux là, étaient mis sur papier. Voilà. Je vais juste préciser un truc qu'ils vont faire beaucoup tous les deux. D'ailleurs, c'est marrant ce qu'on dit, c'est quasiment symétrique. Tous les démarrages vont être identiques, c'est-à-dire que vous n'avez pas la vitesse maximale. Le problème de ce vaisseau, comme je vous le disais, c'est que vous n'avez pas l'accélération maximale, mais la vitesse maximale. Et donc, ils vont utiliser les ennemis, parce que vous voyez, il y a un petit check qui se met derrière vous pour vous indiquer leur position. Et donc, ils vont utiliser les ennemis pour les pousser. Et juste après, ils se décalent vers l'énergie sur la gauche et ils récupèrent le peu d'énergie qu'ils auraient perdu avec les chocs pour être sûr, Exactement. quand ils en auront besoin, d'en avoir. Et c'est Extrêmement très très tricky, rapide. hein, dans le Ils jeu vont le là faire tout le d'ailleurs. temps. Ils vont le faire à tous les tours. Mais c'est pas évident à mettre en place parce que voilà, même quand on se fait taper de derrière, faut que ça soit assez net et centré, sinon bon, ça crée des accidents bizarres où on se retrouve à faire du wrong way. Alors regardez bien, si vous ne l'entendez pas, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de le voir, de l'entendre en tout cas, et le boost est utilisé, donc ils en ont un par tour, ils ont gagné un par tour, et ils vont l'utiliser surtout pour passer à travers les zones grises ou les zones qui Oui. pourraient les faire ralentir. Et si vous ne savez pas quand est-ce qu'il les déclenche, parce que c'est vrai que ce n'est pas super visuel, regardez, il y a le petit S qui est en dessous du nombre de vies, là, qui est indiqué avec 2, et donc quand il va l'utiliser, ici par exemple, eh bien, ça va l'activer, et ça dure assez longtemps le boost comparé à d'autres, mais on peut en avoir qu'un. Voilà, Et donc, exactement, un faut seul savoir partout, où les que c'est, Super quoi. Jets avec le S. Donc, rigolo aussi, ouais, au niveau de l'interface, vous le voyez, hein, donc ils sont tous les deux en première place. Le safe avec le 5, le petit 5 qu'on voit, ça veut tout simplement dire que si vous terminez ce tour au-delà de la cinquième place, vous êtes éliminé. Voilà, c'est ça. Le jeu est immédiatement. assez sévère. Hein, c'est que il n'y a pas un système global de score. Si vous ne finissez pas à une certaine place, eh bien, vous allez crever. Mais C'est comme voilà, ça. ça rétrécit et au dernier tour, il faut être dans les trois premiers Alors, forcément. petit problème, là, on a vu un qui peut popper. En fait, c'est qu'il peut y avoir donc des ennemis, hein, qui sont générés aléatoirement. Oui. Enfin, pas vraiment. C'est compliqué comment sont générés les ennemis. Mais surtout, il y en a quelques-uns qui clignotent et qui donc sont explosifs. Et le simple fait de les toucher, ils vont vous exploser à la gueule et peuvent déjà vous faire beaucoup de dégâts, ce qui est problématique, mais moins. Parce que dans le jeu, vu que l'énergie. Alors voilà, et dernière chose, ils finissent deuxième. Et ça, c'est quelque chose Oui. d'intéressant. Ça fait gagner à peu près 0,5 secondes de finir deuxième, aussi bizarre que ça puisse paraître. Vu que le jeu génère en fait un faux ennemi qui vous suit en permanence, il est toujours derrière vous. Peu importe votre vitesse, vous aurez toujours un mec qui vous suit, c'est comme ça. Ouais, c'est le jeu d'arcade comme NBA Jam, quoi. Ils sont C'est toujours ça, derrière, il quoi. s'adapte toujours à ton niveau, donc de toute façon il est là, il est très très près, et surtout à la fin.
Le truc est que si on finit premier, il y a une petite animation, une petite musique qui dure assez longtemps, qui dure une seconde et demie. Et donc, il vaut mieux perdre une seconde à faire deuxième, ce qui n'est pas grave parce que c'est pas le problème de speedrun, vu qu'on est en temps réel. C'est pas, le but, c'est pas de faire des temps in-game, c'est de faire le temps réel le plus court. Et donc, de faire deuxième la plupart du temps, sauf à la dernière map où ça n'a pas d'intérêt, vu que de toute façon, ça déclenchera la cinématique le tour du champion. Voilà, du tour du champion, effectivement. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant de finir deuxième et d'utiliser cette mécanique de génération des ennemis, en fait. Et le problème est que les générations des ennemis est en fait assez... il le fait au moment où l'ennemi, ça doit s'afficher, si vous voulez. Mais quand ils vont commencer à faire des cuts, ça va leur poser problème parce que ça peut mettre des ennemis vraiment dans des endroits problématiques et surtout, leur comportement varie. En gros, quand il y en a un seul, il a tendance à pas vous chercher trop des noises. Vous le pouvez voir, hein, ça va arriver. Quand il est tout seul, il va rester dans son coin, il va pas se mettre en travers de votre chemin, et voilà. Par contre, dès qu'il y en a deux, ils ont tendance à se foutre sur la gueule, et bah, ça crée du random, ça crée de l'aléatoire, et des fois, eh bien, ils peuvent se rentrer dedans, ou même nous pousser, ou nous chercher, et là, c'est très problématique. Et ils ont normalement, ils évitent ça en faisant pas de cut, mais en faisant des cuts, ça peut leur poser beaucoup de problèmes. Pour l'instant, ils n'en font pas, donc tout va bien. Exactement, et on voit également, à chaque fois que vous voyez les pilotes passer dans la gadoue, c'est juste qu'il y a un super jet en route. Et également, on remarque que sur tous les virages en fait, qui font moins de 90 degrés, finalement, on aurait tendance à croire qu'il faut en faire des caisses, mais il suffit juste de lâcher quelques frames le bouton d'accélération et on obtient un contrôle du véhicule qui est trois fois plus puissant au niveau du déplacement gauche-droite. Et du coup, c'est assez simple de passer ces virages juste en perdant 5 km/h, quoi. Alors un autre élément qui va être utile pour vous pour lire le jeu, surtout si vous n'y avez pas joué, c'est la vitesse. Regardez bien, le speed est bien affiché à 478, c'est la vitesse maximale que votre vaisseau a de base. Et regardez, à chaque fois qu'il fait L ou R, eh bien il va perdre un peu de vitesse, comme je vous le disais. Et ça, c'est vraiment le but du jeu, c'est donc de faire L ou R le moins longtemps possible, le temps qu'on revienne. Bon, on ne perd pas beaucoup, on perd 2-5 km/h, ça dépend de la durée avec laquelle on appuie dessus. Et si on reste appuyé longtemps, ça va baisser de plus en plus vite, c'est exponentiel. Donc il faut quand même être super prudent et appuyer vraiment le minimum syndicat. Ah ouais, le fait. Et il est à la première place à droite. Tu vas voir ça. Il a pas réussi. Il a fait premier. Il a ralenti, mais pas assez. Alors ça, c'est le risque. Alors, c'est le risque, c'est de vouloir être trop gourmand. Hein. C'est le gros problème hein, quand on souhaite faire ce genre de technique. Il faut être le plus proche possible. Et ben voilà, de temps en temps, ça n'arrive pas. Donc là, en plus, il a ralenti et il a fini premier. Donc, il a double pénalité, effectivement. Il a dû perdre. Ben voilà, là, on voit entre l'écart des deux timers, je dirais 4-5 secondes au total. Yadzo est derrière. Yadzo n'a pas le record du monde. Hein. C'est Edouard qui l'a actuellement, mais ils sont vraiment super proches. Hein. Ouais, ça joue de toute façon, ça jouera au moindre accident. S'il y a un fail, ça se jouera là. S'il y a une mort. Oui, clairement, une mort, ce serait le truc le plus pénible. Et les morts, je pense que honnêtement, vu le niveau de jeu des deux, ça pourrait arriver à cause de l'aléatoire des ennemis. Hein. Ouais, ou d'une prise de décision archi risquée hein, par le joueur derrière. Ou un cut raté, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un cut raté non plus. Ah oui, bien sûr. Alors, scène de chaîne, voilà, déjà avec la grande épingle dès le début qui était un peu en casu, la première étape où on se rendait compte que le jeu n'allait pas être une partie sympa, de plaisir. En fait. C'est vrai que le premier niveau est encore, ça va, mais très rapidement on commence à vous proposer. Et il faut bien se rendre compte que ça glisse beaucoup de base et que la glace c'est vraiment infernal normalement. Hein. C'est sans la méthode de j'arrête. Ah, là, vous avez pu voir hein, chez Edouard, il a bien esquivé justement les vaisseaux explosifs. Oui, la pierre plaie hein, de ce jeu hein, de toute façon. C'est maudit vaisseau explosif. Et ouais, ce jeu, c'est assez rigolo. C'est pas instinctif dès le début, mais ouais, c'est clairement juste relâcher l'accélérateur en fait et assez décisif. Et finalement, ça vous permet d'optimiser en vous servant très peu finalement des gâchettes. Vous pouvez voir aussi une petite particularité des hitbox du jeu. On peut être dans, entre guillemets, visuellement le décor du bord et en fait ne pas toucher. Hein. Les hitbox sont plus petites que ce que vous voyez. C'est sûrement assez confortable hein, ou je ne sais pas. Je pense que tous les vaisseaux ont les mêmes hitbox, mais ils n'ont pas forcément les mêmes sprites. Et pour ce vaisseau, ça se voit assez bien qu'à droite et à gauche, ça passe. Il y a quelques pixels où on est tranquille. Ouh, là, ça touche un petit la peu grande du côté épingle a été négociée ouais, avec deux chocs par Edward Ford avant de balancer le superjet, tandis que Yazo l'a passé clean. Ouais, je pense que c'est quand même plus court de le passer clean, hein, honnêtement. Le double rebond, là, je suis pas hyper convaincu. Ouais, après, il est toujours devant. Hein. Virage trop serré, une erreur. Final lap et il est à combien derrière? Ah, il est quand même pas loin là quand même. Enfin loin, c'est pas beaucoup, mais ça fait quand même quelques secondes. Hein. Ça fait au moins 5-6 secondes.
On voit de toute façon le timer, ouais, ils ont 5 secondes de différence, on va voir si Yazo rattrape un peu de retard sur Sand the Shine. Par contre les deux ont exactement la même route, hein. Il n'y a pas vraiment d'optimisation là-dessus, ça fait longtemps que le jeu est quand même bien connu et que les speedruns sont faits en tout cas en time attack sur le jeu, donc il y a des endroits... Yazo qui a raté une seconde sur Sand Ocean. Il a bien réussi. Voilà, les deux, c'était très très beau. Hein, les deux. Alors là, ça, c'est un passage capital de la run, c'est Deathwing 1. Beaucoup de temps à gagner ou perdre sur Deathwing 1. Maudite course avec le vent de côté. Ah oui, alors ça c'est vraiment horrible, effectivement, le vent qui te pousse. Il y a des mécaniques qui sont hyper fourbes et on en reverra d'ailleurs après. Il y a des genres de lignes répulsives en fait, hein, qui vous poussent vers le mur. C'est vraiment très crade et qu'il faut compenser très subtilement. Oui, très subtilement, on peut le faire à la gâchette au début. Alors voilà, autre chose que l'on voit aussi avec l'utilisation du boost, on peut se permettre de toucher les murs quand on booste. On peut passer donc à travers les zones qui normalement nous ralentissent, mais on peut aussi se permettre de toucher les murs. Vu que l'énergie n'est pas liée au boost, c'est pas gênant en fait. On n'a jamais de problème d'énergie dans F-Zero, dans celui-ci, en tout cas à leur niveau de jeu. Hein. Ils prennent pas de risque sur l'énergie, donc s'ils peuvent passer à travers un truc à coup de boost, ils le feront sans aucun problème, quitte à se faire toucher. Jet, ouais, on peut gratter la corde sans problème. On va dire que le seul danger, c'est évidemment de louper une flèche. Louper une flèche, ça fait perdre énormément. Et bien entendu, c'est corridor étroit de stand. Voilà, il y a Yazo qui s'est pris là un PNJ. Mais voilà, il y a matière à se faire troller par l'intelligence artificielle, les autres vaisseaux. Edouard, en tout cas, m'impressionne. Pour l'instant, il fait une run quasiment parfaite. Il y a eu quelques petits déchets sur des virages vraiment très difficiles, mais qui lui font perdre quasiment rien. Il a négocié les stands de manière très sereine. Oui, non, je pense qu'il est confiant. Hein. Il sourit de toute façon. Hein, regardez bien. Il n'a pas arrêté de sourire depuis le début. Je crois qu'il aime ce jeu. Hein. Ouais, c'est-à-dire de lui faire plaisir d'être là. Hein, là ouais. Très belle esquive de l'ennemi. Se passe des choses quand même. Alors oui, ce vent que vous ressentez beaucoup moins quand vous êtes dans le maxi boost, hein, ces flèches là qui vous emmènent à 900 km/h. Bon, ensuite vous décélérez très vite, mais voilà, ça change du classique super jet. Bah, termine premier d'ailleurs, mais là oui, j'imagine que c'est la dernière course du championnat. C'est l'avant-dernière, mais c'est juste que vu qu'on est à 800 km/h, ça aurait très peu de sens de décélérer. Ouais, c'est peut-être trop négocié. C'est pas voilà, c'est Silence la dernière, effectivement, tu as raison. C'est vrai qu'à l'époque c'était 5 maps, 5 tours. Maintenant on est plutôt sur des 4 maps, mais c'est. Et 3 tours pour le coup. Oui. Donc oui, Silence, ça, justement, chat, qu'on a vu dans Climax. Il y a du monde sur le chat, ça fait plaisir. Il y a des copains. Profitez-en, il y a du monde qui arrive. Donc on vous salue pour cette magnifique race sur F-Zero. Tellement de gens. Donc l'estimation est à 50 minutes, à savoir que j'espère qu'ils vont faire quand même sub 42. Personnellement, ça me ferait plaisir. Ouais. Savoir que c'était le record du monde il y a encore un mois. Quoi. C'est ça. Mais ensuite, il y a eu quelques accidents de RNG avec les autres pilotes, mais tout reste très propre pour l'instant. Oui, puis ce virage avec le saut derrière, il est tellement bien négocié de la part de Edouard. Hein, là, je regarde surtout Edouard pour l'instant. Les deux le font très bien en fait. Hein. C'est magnifique, c'est pas évident du tout. Il faut commencer en fait à négocier son virage et arrêter de le faire dès qu'on commence à voler. Et donc, il faut avoir le timing, il faut savoir exactement quand partir à la bonne frame. Et le jeu quand même tourne assez vite. Et si jamais on se plante, le saut, on va pas partir droit. Et si on n'est pas droit, on ne va pas atterrir sur la map et c'est game over et on reprend depuis le début. J'ai tellement saigné ce jeu en master et là et en voyant ça, ça donne vraiment envie de s'y mettre. Le jeu est moins techniquement fou qu'un GX ou un X où là vraiment on est largement à la frame, c'est la folie, decision making toutes les deux secondes. Mais il est intéressant. Le jeu n'a pas été beaucoup tassé. Il y a un tasse qui existe du premier niveau et il a mis 1/100 de seconde au record du monde officiel. C'est fou. Voilà, donc c'est très très proche. Parce que, alors là, que Edouard s'est pris un petit coup, c'est pas grave, il booste derrière, comme ça, il n'y a pas de problème. Il a quasiment perdu du temps. Alors, ça, par exemple, c'était vraiment l'idéal. Hein, le rebond contre le mur pour réussir à reprendre la bonne trajectoire. Ça, c'est des trucs super bien négociés, volontaires. Il a eu du bol d'ailleurs parce qu'il y avait un ennemi, justement, comme je vous le disais, qui peut popper un peu n'importe comment. Et quand on va un peu trop vite, qu'on fait des cuts, il se passe vraiment des choses bizarres.
C'est marrant de voir aussi par moments, c'est justement les voitures explosives hein, qui peuvent être totalement à l'arrêt. Alors voilà, on avait vu Yazoo, il y en avait deux. Bon, heureusement, il a fini premier. Il y a un gros troll pour la fin de course. Ouais, c'était pour un peu Yazoo, chaud. Mais qui, ouais. Qui termine. Ouais. Ça va. Mais voilà, c'est le genre de choses. Ça, c'est la grosse part de RNG. Hein. Regardez sinon la précision à 23-22, 23-24, 23-25 et 23-94 pour le dernier tour. Parce qu'il a attendu pour faire deuxième. Voilà, quoi. Je veux dire, la stabilité de ces personnes quand même. Hein. Ah, c'est très très bon. Et voilà, 24-96, 24-96, 24-95. Enfin voilà, c'est fou d'être au centième de seconde près précis sur tous les tours. Quoi. C'est quand même le niveau de jeu du monsieur. Quoi. Il est stable, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, finalement, Yazoo, il me semble-t-il, qui a perdu du temps à part sur. Sur comment dire, sur Sandocean où il avait gratté. Mais ouais, ouais. Et puis là, c'est surtout c'est que c'était quand même la cup la plus facile pour l'instant. Oui. Le niveau de difficulté va monter au fur et à mesure et ça va devenir de plus en plus foufou. Voilà, et ça va devenir très très excitant une fois qu'il va commencer à y avoir ces énormes tremplins et ces cuts. Ça va arriver dès la Queen Cup, la Queen League hein, qui arrive maintenant. Voilà. Passage par le menu par Edward qui va se lancer en Queen. On n'a pas le choix, c'est comme ça. C'est plus court de faire ça que de faire un reset. Le reset serait sûrement trop long. Donc pareil, le petit démarrage, là, ça va être génial. J'adore vraiment cette méthode de démarrage où je check l'ennemi, je reprends l'ennemi. Oui, si, je me replace bien. Et puis hop, il me repousse. C'est vraiment super. Ouais, Goro, on retrouve toujours hein, plus ou moins même que tête. Alors, dans l'idéal, pour eux, c'est ce qu'il vient de dire sur le stream, ils préfèrent utiliser le Blue Falcon, en fait. C'est le vaisseau qui te donnera le plus de boost quand il te tape. Oui. On a vu, hein, c'est très joli hein, cette manière de passer entre le petit muret et la gadoue là. Avec super le saut. Jet au premier tour. Ouais, avec le saut, effectivement. Ah, même sans saut, et puis long, c'est assez beau. Hein. Ah oui, sur le côté. Ouais, voilà, c'est, sur le c'est, côté, c'est super classe. Ouais. Petite zone sans. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a toujours c'est tout petit. Hein. Il y a quelques pixels qui vont vous permettre de le faire. Ça se fait. Ça demande beaucoup de précision. Mais ça se fait sans trop de problèmes sur une map assez facile, bien évidemment. Sur ces maps-là, ça se fait. Sur d'autres, ce sera beaucoup plus compliqué. Hein. Donc les super jets. Bon, alors voilà, nos Mute City, on va dire, même au niveau de la 3 où c'est un peu plus carré avec des ouais, etc. C'est des Mute City, ça reste assez collégial, on va dire. Ils ont vraiment aussi très très bien optimisé leur boost. Hein. Ils le démarrent à un moment où ils vont toucher, ils l'arrêtent à un moment où ils sortent de la gadoue. Hein. C'est assez impressionnant. Ouais, pour finalement sortir. C'est l'endroit où ils ont dû, je ne sais pas combien de personnes ont testé, mais pour être sûr que ce soit l'endroit optimal pour mettre son boost. Parce qu'il y a la subtilité aussi de si vous voulez faire un glitch, par exemple, ou un cut. Vous pouvez garder des boosts. Vous pouvez en cumuler 3. Oui, chose on peut en utiliser 3 en un une tour. Une seule fois. Je ne crois pas, une seule fois de la run, ils vont le faire. À chaque fois, ils vont l'utiliser dès qu'ils l'ont quasiment ou dans le tour ouais. Où ils le récupèrent. Ils ne vont pas stocker de boost. Ce qui était plutôt stratégique d'ailleurs quand on jouait au jeu. Parce oui, bah, disons qu'il y a peu d'endroits, enfin, les courses n'offrent pas vraiment deux endroits où c'est le gain de temps non. Justifierait l'utilisation. Non, mais vis-à-vis de l'IA du jeu, c'est intéressant. Vu que le jeu te pourrit de toute façon, il va te suivre. Mettre tes deux ou trois boosts dans le dernier tour, ça peut le déstabiliser, ce qu'il aura plus de mal à te suivre à ce moment-là. Mais c'est vraiment pour manipuler l'IA plus que oh, à la frame, des temps. La deuxième place d'Edward Ford. C'est assez beau. Et là, il gagne beaucoup de temps en faisant ce genre de choses. Hein. En cumulant sur toutes les maps, parce qu'il va en faire quand même 16. Non, c'est combien 25 de quoi, c'est de course 5 fois 5 ou c'est 4? C'est 20 courses tu peux... Ah non, c'est 15 courses. 15 courses. C'est, y a juste, Knight, Queen et King. Wow. C'est vrai que les maps vont devenir de plus en plus longues. Tu es toujours là, MV? Allô? Oui, je sais pas, non, je t'avais perdu. Donc voilà, on voit justement les barres qui vous attirent et vous repoussent. Et qui vous allez voir faire des diagonales un peu bizarres à cause d'elles, c'est normal. Hein. Ah oui, assez rigolo ça, ce système qui justement. Alors du coup, oui. On se demandait si c'était au début, voilà, si ça valait le coup ou non, parce que ouais, y a justement, c'est assez drôle. On cut et le jeu nous dit ouais, d'accord, mais j'aime pas trop ça.
et il te repose à un mauvais endroit. Voilà. Je pense que le gain de temps est assez faible. Regardez la minimap, vous allez voir que c'est pas un saut énorme. Ça fait pas un cut, c'est pas, on va pas du début à la fin de la map. On cut, allez, 25%. Mais le temps de faire demi-tour, on recule en plus. Ça doit faire gagner, allez, j'irai 1-2 secondes maximum de faire ça, et pas plus. C'est vraiment pas un gain de temps énorme, mais je pense que c'est pas tellement difficile à réaliser. Et le superjet essentiel. J'ai rarement vu le rater. Hein. Superjet en fait utilisé juste avant, et si on retombe au bon endroit, en fait on est relâché sur la fin de notre superjet, sinon ça serait une catastrophe. Donc on, voilà, on repart, oui, à 500 km/h, donc ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup parce qu'effectivement on n'a pas de perte de vitesse quand on redémarre. C'est assez étonnant, mais c'est parce qu'on a utilisé le boost, effectivement, le superjet. C'est vrai que c'est le nom officiel à l'époque. Le boost power, ce sera plus tard. You got boost power. Ah, il le fait bien parce que il est quand même pas loin. À chaque fois, je me fais des petites frayeurs. Hein. Je me dis, il va jamais atteindre le truc. Et en fait, ça passe à quelques pixels. C'est la première fois également qu'on voit ces éléments de gameplay assez drôles. Hein. C'est assez tige sur le côté qui oblige à faire de la gâchette, à un peu se déporter. Elle nous attire vers elle pour faire pas mal de dommages. Il a longtemps attendu le deuxième. Là. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'avance. Hein. Et du coup, là ouais, il commence à creuser l'écart. Hein, avec, ouais, là, il a bien 10-15 secondes. Ouais, facile 15 secondes d'avance sur Yetzo. Red Canyon 1. Même sur cette map-là, il a perdu du temps. Hein. Il doit avoir un premier tour moins bon à 25 secondes. Je pense que oui, c'était alors, pas... Avec les enchaînements de boosters assez rigolo, voilà, c'est possible sans Super Jet d'avoir les 3. Mais je crois qu'il est possible de se faire trouver sur le 3ème par moment. Ouais, il est passé. Moi, j'avais pas vu, mais ouais, c'est super chaud. Est-ce que Yetzo va le réussir aussi? Doivent moduler un peu avec le bas, hein, pour ceux qui n'ont pas joué. Voilà, quand on laisse appuyer vers le bas, en fait, on s'assure de ne pas perdre 100 km/h et de rebondir comme un caca à la retombée. Voilà, on peut faire haut et bas, hein, pour contrôler plus, voilà, ou exactement, moins son saut, mais c'est quand même pas... C'est... Ouais, il a bien évité... Ouah ! Allô ? Oui ? Non... Tu as, comment dire, grésillé et sauté. On est passé en mode angoisse absolue pendant 3 secondes. Peut-être un câble défectueux, mais c'est bon. Ah, nous t'entendons. Chez moi, tout s'est bien passé. Je ne sais pas. C'était assez spectaculaire. Eh bien, écoute, je suis désolé pour les gens du Restream FR. Moi, je ne l'ai pas entendu, donc ça ne me dérange pas. Mais désolé. Pas de problème. Tout va bien. C'était chez vous ou c'était chez moi? Non, en fait, ouais, non, ça venait de chez toi, ton son qui a bugué, c'était grésillement et saturation, mais juste 3-4 secondes. D'accord, ok, bon, j'espère que tout va bien. Bon, quoi qu'il en soit, bon, Red Canyon 1, ça reste assez standard, voilà, Edward Ford qui enchaîne son dernier tour. Oui, ça joue plutôt bien, pour l'instant, il n'y a vraiment aucun problème. On a des virages vraiment, vraiment larges, il y a juste la partie technique, c'est les 3 tremplins. C'est les 3 tremplins au début, effectivement. Et là, il le fait. Et c'est vrai qu'ils prennent un cut vraiment très agressif. Bien. Il est à la frappe, monsieur. C'est fou. Très beau, encore un bel évitage des ennemis. Et pour l'instant, ils ne se font pas troll. Hein. Franchement, alors qu'ils font des sauts, ils ne se font pas troll parce que. Ouais, un tout petit peu pour Yetzo, là, qui, pas de bol pour lui, il y avait un vaisseau explosif sur le troisième saut. Et donc, il avait pris la décision de ne pas le faire parce que c'est trop dangereux. Ah, Whiteland, l'arrivée de Whiteland. Ah, et là, ça va commencer aux choses. Là, tu commences à faire moins ton malin quand tu commences le jeu et que tu tombes sur ta première zone de glace et tu fais « Ah, mais qu'est-ce que je vais devenir ?» Très, très sympa comme course, ouais, avec tous ces enchaînements de tremplins à optimiser et donc cette fameuse glace dérapante. Bah, de toute façon, on les voit, même eux, ils galèrent un peu, ils prennent des virages plus larges quand même, hein, quand ils sont sur la glace, surtout qu'ils n'ont pas le boost, ouais, pour compenser. Là, ça a du sens de partir à l'extérieur pour rattraper, ouais, l'intérieur. Pour revenir, ouais, effectivement. Mais c'est vrai que c'est des mécaniques de jeu qui sont très bonnes, hein, globalement. Le jeu est quasiment identique par la suite en termes de game design, à part l'utilisation du boost. Ah, alors là, et voilà le cut. Superbe cut de la part d'Edouard, avec utilisation donc du boost dans le décor pour... C'est pas grave parce que en fait il est plus près, ça lui permet de faire un setup aussi. Il est calé contre le mur en fait, si vous voulez. Il peut pas passer à travers. Donc il se cale contre le mur, de toute façon il va pas perdre de vitesse parce qu'il a son boost. Et ensuite ça le met dans la position idéale pour réussir le cut. Exactement. Vous allez voir, il va le refaire à chaque tour de toute façon. Oh là, il l'a fait de manière ouah, il plus a fait... clean standard. Ah ouais, bon d'accord, écoute, fais-moi mentir. Il a gardé son boost et je ne sais pas pourquoi. Garde son boost, ouais, alors peut-être... Est-ce qu'il va garder deux boosts? Qu'est-ce qu'il va tenter, ouais. Il a deux boosts. Ou peut-être qu'il assure juste son avance et qu'il garde ça en cas d'accident.
Ouais, peut-être. Ça me semblera bizarre. Bah, du coup, là, il a. Ou alors, il va faire deux d'un coup. Non, alors là, il vient d'en lancer un. Il passe bien sur le bord. Pas de cut. Est-ce qu'il va lancer un deuxième dans le même tour? Ou alors, il a oublié tout à l'heure. Il n'était pas à l'aise. Il va garder un. Non, visiblement, il va garder, lancer non, ça à l'arrivée s'il ne lui est pas rien arrivé, quoi. Il va se garder ça pour le rush de fin. Pour le final lap, il a donc deux boosts. Ça peut être très rentable hein, s'il trouve quelque chose à faire avec. Là, il fallait bien éviter les ennemis. Il se passe mal. Donc là, il l'utilise. Le cut. Il va quand même l'utiliser avant la fin, je pense. Ou alors il l'a oublié. Voilà, en sortie de la glace. En sortie, voilà, il le prend en sortie de glace. C'était un endroit où ça marchera très bien aussi. Oh, et encore une très jolie deuxième place. À la frappe. Et en fait, il le voit avec le check. Hein. Oui, il utilise le check et le check clignote de plus en plus vite quand il s'approche de vous, je crois. Et ça doit être ça qu'il utilise comme indication visuelle en fait, pour vraiment savoir quand est-ce qu'il doit passer la ligne d'arrivée. Mais c'est quelque chose qui ne va pas être évident à maîtriser et qui doit demander un petit peu de temps. Hein. Toujours se faire taper par notre ami le Blue Falcon pour démarrer plus vite. Quelle méthode. Ah, c'est marrant dans celui-là, ouais. On enchaîne les deux Wetland avec des variations dans la musique. Avec Sap699 qui dit j'ai tellement peur à chaque fois qu'ils font leur cut, ça me fait la même chose pour moi, t'inquiète. Hein. Et parce que là, ouais, j'ai tellement la sensation qu'ils vont pas aller jusqu'au bout. Quoi. Contrairement à Climax, là c'est extrêmement punitif, très joli ouais, au premier tour d'obtenir le double rebond sur, ouais, sur la rambarde. Le tremplin d'arrivée, c'est toujours rigolo à voir. Ça c'est vraiment très beau, effectivement. Alors que Yadzo a dû avoir un petit problème, sa vitesse est faible. 405, ah oui, c'est peut-être passé quelque chose. Il a raté son deuxième rebond. Ah, une voiture troll. Et donc Superjet utilisé immédiatement pour. Voilà, la voiture troll. Voilà, c'est exactement ça dont on vous parlait. Bon, c'est pas très grave parce que là, il l'a bien pris. Mais si jamais il la prend de face, il va vraiment revenir en arrière. Si jamais il n'y a rien pour l'arrêter, genre un mur ou un autre ennemi, il va partir loin en arrière. Quoi. De toute façon, voilà, l'utilisation du Superjet ici va pas intervenir pour faire un giga boost avec le tremplin. Mais c'est juste pour ressortir vite de la zone de l'enfer. La double chicane, on prend du la double chicane, on sait qu'on perd beaucoup de temps. On ne peut pas passer à fond, de toute façon. Donc, il est tellement en mode no care, Edward Ford, il le fait à chaque fois. Hein, c'est tranquille. Ouah, comment il était beau le deuxième. Il a tiré sur la corde, là. Oh là 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 là. Ils sont vrais. Et là, je peux vous assurer que ce que nous sort Edward, c'est... Il est pas loin de ce que j'ai pu voir de sa run de record du monde. Hein. Ouais, c'est marrant parce justement, il a fait la run solo l'année dernière et il avait essayé de le placer à chaque fois et il avait perdu deux, trois fois, je crois, du coup. Enfin, il y avait eu des continues à ce stage-là. Des try again parce que c'était moins maîtrisé. Il a quand même pas ressorti au dernier. Enfin, l'avant-dernier tour. Mais du coup, il creuse l'écart encore, je pense. Là, ils le font plus. Hein. Il l'a tenté deux fois déjà, c'est pas mal. Mais est-ce qu'il va le retenter sur son dernier tour? Ce qui est sympa avec le timer du jeu, on sait exactement où on en est plus ou moins. Oui, parce qu'ils mettent à peu près le même temps de menuing hein, de toute façon. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'écart entre les deux. Il y avait 12 secondes de différence, on va voir ce qui se passe. C'est les ambiances Tour de France. Et je crois même qu'il lui restait encore un boost. Hein. Je sais pas, il a une méthode de conservation. Je pense qu'il assure son avance, le salaud. Ah bah regardez encore la stabilité. 23,67, 23,68, 23,73, quoi. Sérieusement, c'est fou de faire des temps pareils en permanence, quoi. Tom est un robot. Ouais, je vais regarder les temps quand même de Yadzo, voir si c'est aussi stable, parce que ça m'impressionne, hein, la stabilité de ce monsieur-là. 23,70, 23,62, 23,67. Non, bah, ils sont aussi forts l'un que l'autre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par contre, son premier tour était lamentable. 26,48 contre 23,12. C'est pas le même map. Ah oui, c'est la fin, donc forcément, ils affichent tout, là. Faut pas que je regarde les. Faut que je sois un peu attentif plutôt à la fin de chaque fois. Alors qu'on a Coyote qui vient d'arriver, si je dis pas de bêtises. Dans le studio, dans la cave. Ah, dans la cave. Ça, ambiance cave entre hommes. Et ça doit sentir. Ambiance donjon humide. On est bien. Vous avez du chauffage ou pas? Hein? Vous avez du chauffage ou c'est les PC? Oh oui, non, ça va. Bah, les PC plus les lumières, là, on est bien. C'est la chaleur humaine. Donc, Mute City 3 pour Edward Ford. Donc Mutiti 3 hein, qui dispose juste de plus d'angle droit des mines disposées ici et là.
Mais ça reste relativement standard. Passage plus étroit, on le voit ici. Et dans les mines. Hein. Et les mines, là, il ne faut vraiment pas se les prendre. Quoi. Là, c'est du sérieux. Hein. Bon, c'est du sérieux, comme je vous le disais, vu que ce n'est pas les points de vie qui font les boosts. C'est quand même moins gênant, mais ça peut faire perdre beaucoup de vitesse. Et réussir à les prendre juste à l'arrière de son vaisseau, c'est risqué pour pas grand-chose, honnêtement. Finalement, dans GX, il n'y a que dans GX que ça a vraiment du sens de jouer mine à certains moments. Oui. Ouais. Ah, par contre, il passe avec dès qu'il a le boost, hein, les cuts à travers les zones grises, c'est vraiment parfait. Tellement bien optimisé. Hein. Donc, ouais, 15 secondes. Voilà. Hein. Donc, ce qu'il disait, hein, c'est que Mute City 3 était quasiment la même chose que Mute City 1, mais ouais, avec des mines en plus. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà, ici on n'a pas le tremplin, des chicanes à la place d'avoir des sauts. Voilà, c'est pas, il y a quasiment pas de différence. C'est vraiment à l'identique. Ouais, c'est le côté réhute un petit peu, hein, du jeu, pour le coup. Mais c'est pas gênant parce qu'il y a quand même pas mal de maps, hein, pour un jeu de. Il est sorti quand, lui, en 91, 92. Oui, c'est un jeu de 91, il me semble, ouais, voilà, au Japon. Sorti, ouais, sorti quasiment en même temps que la machine. Et c'était la vexation pour Monsieur Miyamoto, qui trouvait mais c'était intéressant le mode 7, tout ça. Mais hélas, oulala, il a bien évité le vilain vaisseau explosif, excusez-moi. Et Miyamoto donc était vexé et il a donc décidé de faire Mario Kart qui soit un F-Zero multijoueur. Parce que là, on ne peut pas jouer. Et c'est ça qui est vexant quand même, c'est qu'on peut jouer que seul, on ne peut pas jouer à deux à ce jeu. Hein. Et on peut nommer l'excellent Street Racer qui était jouable, oui, à 4. Ce qui est sorti quand même beaucoup plus tard. En mode écrasé beaucoup plus tard. Oja le Maharaja. Effectivement, hein, c'était un peu la fin du mode 7, hein, même s'il est sorti sur Mega Drive aussi. Ouais. Ah, ça joue bien quand même. Ce qu'a sorti Edward là, pour éviter l'ennemi tout à l'heure, c'était vraiment joli. Hein. Et il finit deuxième avec une très belle deuxième place. 2 minutes pile. Hein. Ouais. J'ai pas eu le temps de voir ses temps, mais je crois que c'était une fois de plus très propre, surtout sur un Mute City, hein, qu'ils connaissent tous les deux de toute façon. Ah, un coup le vert, un coup le bleu pour démarrer ce coup-ci. Alors, Deathwind 2, la course des ambiances en général, c'est là qu'on commence à péter une. Vraiment péter un cap sur le jeu. Va. Bah, surtout, c'est qu'il commence à y avoir là, vous le voyez, des boosts juste après des angles droits. Ah, très beau rebond. Alors là, ouais, voilà, très bonne utilisation du rebond. Le rebond là, technique, ouais, où il faut lâcher le bouton d'accélération, le reprendre au bon moment. Sinon, voilà, en fait, si on y va vraiment comme à la zub, entre il guillemets, se pas ça, hein. il se passe un drame, ça se passe en 8 tonneaux et 14 rebonds et la mort avant les stands. Donc vraiment une course très très compliquée. C'est tellement propre là, ce qu'il fait. Ouais. Extrêmement impressionné le rebond par pile par poil cette sur map, les flèches. Hein. Ah là là, ça fait plaisir de voir un aussi grand joueur, hein, honnêtement, sur F-Zero. Alors que le jeu a quand même 23 ans, 25, 24 ans même cette année. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça ne rajeunait pas, hein, mon petit MV, hein, si tu penses que nous on y jouait quand on était jeunes. Mais c'est ça. C'est terrible. Oui, oh sorti, là. Je n'étais qu'un jeune collégien innocent. Moi aussi. Enfin, quand je l'ai eu, en tout cas, parce que je ne l'ai pas eu à sa sortie, mais j'étais en sixième, je crois. Donc le Super Jet utilisé d'entrée, hein, tout simplement, parce qu'il y a ces. Si on n'utilise pas dans la première ligne droite, on a des gauche-droite à faire, ouais, c'est mal passé pour. Edouard a raté un virage. Ouais. En sortie Super Jet en plus. Mais oui, donc le Super Jet utilisé dans la première ligne droite pour éviter d'avoir à faire des zigzags entre les zones de Gadou. La vitesse que ça fait gagner dans ce sens-là, le vent, c'est vraiment. Il a un tour d'avance sur Gazo. C'est là. Ça, exactement, il a un tour d'avance. Pour l'instant, je dirais qu'Edouard fait tellement peu d'erreurs. Oh, que... là, 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 le rebond. Alors en plus, quand vous êtes dans voilà, le power down. L'énergie. Heureusement qu'il y en avait juste derrière. Voilà, mais vous voyez la différence avec Maximum Velocity qu'on a pu voir tout à l'heure. Oh putain, Yadzo aussi s'est fait mal. Ouais. Ils ont tous les deux eu très très peur. La différence, voilà, c'est qu'on récupère très peu d'énergie sur les zones d'énergie. On est obligé, normalement de ralentir, on passe pas à fond dans la zone. On aurait pour récupérer genre un dixième de ses points de vie. Quoi. Ils ont dû se faire peur. Hein. Non, notamment dans Firefield, par exemple, quand on n'était pas vraiment excellent au jeu, on était condamné à ralentir et espérer avec le boost de fin rattraper. Et là aussi, ce qui est critique, c'est que quand votre barre d'énergie clignote, ça affecte évidemment, bien sûr, votre vitesse maximale.
Donc en gros, si on est loin des stands et qu'on est en énergie critique, même si on peut atteindre les stands à un moment, on est condamné au niveau du placement, entre guillemets. Maintenant, on va pouvoir voir l'écart exactement entre les deux. Quand est-ce que va se lancer le timer? 30, ça va faire 30 secondes. Hein. Il y a, ouais, là, 29 il est à... secondes. Ouais. Non, non, t'as raison. Ça fait 29 secondes exactement. Aïe, entre aïe, les aïe. Deux, c'est beaucoup. Ça fait quasiment plus d'un tour. Hein. Donc la même méthode, hein, c'est quasiment le même circuit aussi. On fait le même saut au même endroit. Il y a juste la fin du circuit qui a un petit peu bougé. Un peu pénible, ouais. Voilà, qu'avec ces double virages là, à 180 degrés, bien agressif, plus la chicane derrière, et des zones assez. La largeur du circuit à la fin, elle est vraiment, vraiment fourbe. Hein. Un des circuits les plus jouissifs. Ouais, à René, vraiment d'ailleurs. Très sympa. Ouais, par contre, très très sympa. Ouais. Bah, c'est là où tu peux avoir du gros level. Il y a des gros écarts entre un bon et un mauvais joueur ici. Hein. Ouais. Si tu sais passer, ça passe. Si tu ne sais pas passer, tu vas vraiment galérer. Ne serait-ce qu'à la finir, en fait. Ouais. Parce que tu vas prendre tellement de coups que tu vas devoir t'arrêter au stand. En fait, un joueur moyen, voilà. On voit qu'Edward Forth, sur les chicanes de fin, ne perd que 20-30 km/h, alors qu'un joueur moyen va facilement perdre 80-90. Oui. Mais c'est vrai que le fait d'appuyer plus longtemps sur les aéro-freins fait freiner de plus en plus. Et donc, il faut vraiment bien doser quoi, pour passer sans toucher. Ou toucher le minimum et en même temps eh bien garder sa vitesse. C'est vraiment fou. Ah, il a vraiment des trajectoires extrêmement fluides. Hein. Alors, est-ce qu'on va négocier la deuxième place du côté de Dwarfsford? Non. Ah oui, on est final lap. Ça y est, je commence à mourir. Hein. Mon cerveau va brûler. J'espère que tu es bien réveillé et remonté pour X et Y. Je suis encore là, ne t'inquiète pas. Parce que le problème, c'est qu'on a les vrais jeux vénères après. Hein. C'est-à-dire là, c'est une mise en bouche. C'est une mise en bouche, mais c'est vrai. C'est déjà vénère, hein. Je trouve quand même ce qu'ils font. Ah non, au niveau est fou. C'est pas évident. Voilà, le niveau est fou, mais c'est juste que c'est moins visuel. Moins visuel, c'est ça. En fait, le truc, c'est que si jamais dans le chat, ceux qui nous regardent, vous n'y avez jamais joué, je vous conseille de l'essayer au moins une fois, même à l'émulateur. Quoi que ce soit, pour comprendre vraiment la subtilité du gameplay de ce jeu, ça glisse pas mal. C'est pas du tout aussi. Ça peut paraître facile là, c'est comme d'habitude, quoi, parce que c'est des grands joueurs, mais en vrai, c'est la maniabilité est bonne, mais particulière, quoi. Très très juste. Et Red Canyon 2 ici, la course, la fameuse course de la flèche. Ah oui. Petits rebonds. Oh là là, encore Edouard qui nous sort deux rebonds d'affilée. Il a pas fait le troisième, je pense qu'il sert à rien. Et là, le saut avec la flèche, effectivement. Et on ne bouge pas d'un iota, on se met sur la droite, l'arrêt de droite de la flèche pour bien être toujours dans l'axe. Voilà, pas besoin de la prendre au milieu, hein. c'est plus précis, c'est plus. En fait, c'est pour la suite du tracé, il vaut mieux être à droite. Donc forcément, on sert à droite. On ne bouge C'est plus. Magnifique. C'est vraiment des virages. Pile poil millimétré et ensuite tout droit. Hein. Il y a pas de. Ça me fait un peu penser à Mario Kart Wii que j'ai commenté hier soir où c'est un peu le même phénomène. C'est-à-dire on tourne tout droit, on tourne tout droit. On n'a pas tendance à corriger sa trajectoire une fois qu'on est parti parce que ça fait perdre trop de temps. Petite faute ici, mais bon, il y a tellement un boulevard d'avance, c'est pas trop grave. Ouais, c'est pas trop grave. De toute façon, hein, si là, ce qui pourrait dire remettre Yadzo dans la race, pour l'instant, ce serait une mort de la part d'Edouard. Hein. C'est un peu. Et par contre, c'est vrai que là, ce serait super dur pour lui de remonter, quoi. Parce qu'on peut perdre, s'il meurt au cinquième tour d'une map, c'est 2 minutes dans la vue, quoi. Hein. C'est avec le temps de recharger la map et tout ça. Hein. C'est vrai que c'est exécuté de manière tellement. Propre par les deux joueurs, que ça paraît fou que ça soit en master, hein, parce qu'en master, faut quand même le rappeler, si vous tournez à 40-50 km/h de moins pendant 5-6 secondes, bon bah voilà, vous voyez le deuxième et le troisième, vous passez devant et c'est le début des embrouilles. C'est le début des hostilités, effectivement. Non, mais c'est clair que je dirais pas qu'ils sont obligés de jouer comme ça pour gagner en master, mais il faut bien connaître le jeu pour gagner, pour finir le master et avoir finir le master, ouais, notamment à cause de Firefield, c'est très très compliqué déjà. Et en plus, on a moins de vie. C'est toujours un peu le principe. Hein. On commence avec beaucoup de vie si on est en normal ou en easy, puis en master. Ils ont dû commencer avec 2 vies, mais ils en gagnent. Oui, on en gagne tous les 20 000. Bah, en fait, non, c'est tous les 20 000, je crois. Non, il est passé à 3, donc c'est tous les 15 000, je dis des bêtises. Mais oui, clairement dur. Et Firefield est absolument imbuvable à la fin. Donc ouais, non, c'est fort impressionnant. Juste avant les sauts, hein, vous voyez, il a tellement bien trajecté qu'il n'a plus besoin de toucher à quoi que ce soit jusqu'à un virage après le saut de la flèche, quoi. C'est une toute petite correction minime. C'est pour ça que je pense aussi qu'on ne comprend pas calé, le... Quoi.
comprends pas le troisième mini tremplin parce que ça ferait faire une tonne de Oui. mouvements inutiles. Bah ça te mettrait en dehors de la route idéale, donc tu Voilà, le fais pas, hein, tout exactement. simplement. Surtout qu'un tremplin de base, s'il ne te permet pas de faire un cut, faut pas le prendre, tu vas perdre de la vitesse. Oui. De toute façon, faut pas prendre un tremplin s'il est juste sur du plat et que tu vas juste tout droit, ça ne sert à rien. C'est marrant, mais ça ne te fait pas gagner de temps. Et donc nous y voici Firefield, l'enfer absolu de ce jeu. Ah, donc les mines, déjà, hein, pour commencer, hein, c'est accueillant. On va bien te faire comprendre que c'est pas cool. Des virages à 180, tout petit, tout serré. Et puis bah, une map longue. Hein. Celle-ci, pour le coup, elle est vraiment longue. Et quand on doit faire 5 tours, c'est la pression parce qu'on n'a pas le droit de se planter. Hein. C'est un jeu, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Vu que le système des suiveurs qui est tout le temps là, de toute façon, si vous faites la moindre erreur, ils seront derrière vous à vous doubler. Hein. Et très pervers de la part des développeurs, entre guillemets, parce que finalement, cette course-là, si on n'a pas cette technique de finalement bourrer comme un gros bœuf dans le mur et bien se reprendre, et qu'on essaye de la jouer clean, on perd C'est vraiment clair. trop de vitesse et c'est l'enfer de terminer dans les trois premiers, quoi. C'est clair, il faut abuser en fait du fait d'avoir plein d'énergie et de pouvoir prendre des coups à certains moments. Chose qu'on ne faisait pas quand on Bah était oui. jeune et qu'on n'avait pas l'idée de se dire, Ou attends, mais on laissait si. appuyer sur Voilà. l'accélérateur comme un demeuré et c'était problématique. Oui, puis t'appuyais sur L ou sur R comme un gros bourrin aussi, tu perdais tellement de vitesse que en fin de compte c'était pas rentable. Alors Alors là, il vraiment faut un qu'il fasse gaffe. passage Alors ça, voilà, ça horrible. c'est le genre de zone où quand il y a un ennemi explosif, ça peut être très dangereux. Vu qu'on n'a pas tellement de choix sur les trajectoires que l'on va devoir prendre pour passer, si jamais il y a quelqu'un, il faut bien négocier quoi. Ouah, ça va, ça, il s'en sort vraiment bien à chaque fois. J'ai l'impression qu'il lit un peu dans l'intelligence artificielle quand même des fois et qu'il fait non mais là c'est bon, il va aller sur la gauche, t'inquiète. C'est tellement habitué à les éviter. Oh là là, les deux là nous font des lignes droites incroyables, vraiment sur le bord de la map. Mais en même temps, c'est une zone safe où ils savent qu'il n'y aura pas de mine. Exactement, donc ouais. Ouais, Edward, c'est au millimètre, hein. Ouais, c'est vraiment C'est très propre. vraiment Biezo aussi, fou. hein, Alors que franchement, Yasuo joue extrêmement bien, bien c'est. sûr. Les deux, c'est propre. Hein. C'est vrai que bah, il est au-dessus, Edward. Hein. Il y a pas à dire. Pour l'instant, j'ai vu faire tellement. Il y a tellement peu de déchets dans sa run pour l'instant que c'est juste fou, quoi. Honnêtement, je pense qu'on va faire sub 42 hein, pour Edward. Là, pour l'instant, il est bien parti pour au minimum un sub 42. Hein. Et on remarque ouais, que voilà, à part au dernier tour, si je dis pas de bêtises, c'est plus rentable vu que là on n'a pas à s'arrêter au niveau énergie, ils sont tellement larges, mais c'est plus rapide de passer à Oh, l'extérieur et prendre le comment il stand. a pas pu Ouais, l'éviter là l'ennemi. petite mine de l'angoisse. C'était un ennemi, hein, c'était même pas une mine. Hein. Ah d'accord, ouais, j'ai vu. C'était un ennemi explosif j'ai vu le qui s'est choc, mais pas placé. le. Voilà. Et comme je vous le disais, il y en avait deux à l'écran au même moment. Et c'est là où ils sont plus difficiles à interpréter, à comprendre. Parce qu'on sait pas du Ouf, tout comment ils vont ouf, réagir. ouf, ouf. Oh, il s'en est pris un deuxième. Oh là là, Heureusement, oh là tampon là dans là les là. fesses et Oh, super jet. tampon dans les fesses qui lui permet de rester à la première place. Parce que là, vous voyez, hein, il joue bien pourtant. Et ben, il aurait pu être troisième instantanément. Ah non, c'est vraiment du jeu d'arcade complètement injuste à ce niveau-là. C'est vrai que c'est dommage. Ça aurait pu être marrant, jeu arcade. Oh, le final lap, comment il est passé juste à côté de l'ennemi, il a pris vraiment ça. Il a pris entre le rebord et l'ennemi, quoi. Il y avait une toute petite place pour cette box, c'est là qu'il est passé, quoi. Sans hésitation. T'espérer moins de 42, ça va être le cas. Ah ouais, Je vais j'espère. même mettre moins de 41 Ouais, je pour pense. Edward. Ouais, je pense. C'est vraiment Là, voilà, le gore. record du monde, là, il est là. Hein. Il est à 40-10, 40-12, je crois. Donc, ça montre aussi d'ailleurs le niveau de la run qu'il a fait le 30 décembre. Vous voyez, ça date de vraiment il n'y a pas longtemps. Et après, c'était la fin parce qu'il prenait l'avion pour aller Et à la GDQ. faire 40-35, ça va faire même pas. Ouais. 40-32 en marathon. Oh là là, C'est c'est ouf. hallucinant. Incroyable. 40-32 en marathon. Et même Yasuo va faire un super temps. Ouais, bah là il va battre l'ancien record du monde, hein, je pense. Ouais, là, Ça. ça peut être applaudi parce que franchement, il y avait du niveau. Vraiment fou. 41-20 le world record, je sais pas, il a été fait tellement récemment qu'il faut vraiment, vraiment Oui, vérifier. faut vraiment trouver les dernières infos sur son Twitch, notamment, j'imagine. Ouais, attends, je vais aller voir 2 secondes parce qu'on va avoir un petit peu de temps là. Donc Ouais. c'est chez Edward que j'ai regardé stream il y a pas longtemps, donc il devrait me le retrouver, mon ami. Le PB? Apparemment, il a fait son PB, Yadlo. Sérieux? C'est Apparemment, c'est excellent. ce que je les entends dire. Il dit New PB. Ah, Yasuo était quand même relativement loin Ouais, il était finalement. derrière. Hein. Ouais. Il faut dire que ouais, sur 15 courses à 5 tours, bon, c'est normal que les Edouard différences run se jouent depuis en pas plus mal de temps. longtemps. Si, voilà.
S'il y a un petit écart de niveau, ça se ressent forcément en pas mal de secondes. Coming up next will be F0X run by WMJ. Alors je vais essayer de voir sur son Twitch hein, pour pas vous dire de bêtises parce que je vous dis hein, le 30 décembre c'est vraiment très très récent. Avec cette séquence de fin orgie de mode 7. Alors F0 central, est-ce que c'est affiché? Ah, j'ai mon... Oh, le pearler en 3D du de ouais, c'est classe hein, franchement ça me fait un voilà, peu envie quoi. $20 donné pendant le segment F0. 40-20, vous dites le record de Ed. Ah ouais, 40-32, il nous sort quoi. Sérieusement quoi. Et on va basculer donc sur F0X avec WMJ. Et là, ça va être. Et là, c'est tellement bourrin F0X quoi. Je vais devoir commencer par vous expliquer déjà la saloperie du vol de ce jeu quoi. Mais je le dis à chaque fois, mais c'est tellement dégueulasse de voler dans le jeu, c'est tellement difficile de se contrôler dans les airs. Ce qu'ils font est tellement incroyable. Ah, la technique du double tap, il y a tellement de... c'est hallucinant. WMG en plus, c'est vraiment un métronome sur le jeu, ça va être, ouais, ça va être ouais, assez divin. Ouais, c'est clair que là, on a encore du parmi les ouais, sûrement le meilleur mondial sur F0X avec CGN. Qui a quand même beaucoup de world record, mais qui est peut-être moins à l'aise sur ce qu'il va devoir exécuter là, c'est-à-dire qu'il va y avoir des ennemis, c'est pas du time trial. Alors j'attends un peu avant d'éventuellement faire un petit cut, parce que j'ai encore les joueurs installés. Bah oui, c'est pour ça, je sais pas s'ils enchaînent tout de suite. Ça se désarçonne, voilà. Donc ouais, on va marquer une petite pause, on résumera ce qui se passe et on viendra, je pense que le setup va durer un verre d'eau, au moins 2-3 minutes, voilà, on va faire ça. Voilà, très bien. À tout de suite, les innocents. Des bisous. Des bisous.